Salut tout le monde, ici PH pour Stack.ca, présentement live pour le break numéro 77, 75, non, 77, 77, c'est le numéro de Raymond Bourque, mais pas au baseball. Mais non, ce n'est pas au baseball, on est au baseball, donc pas de Raymond Bourque. Par contre, c'est un numéro chanceux pour moi, oui, oui, alors peut-être le sera-t-il pour vous. Le sera-t-il. Alors, j'ai un peu changé des petites choses dans ma bibliothèque derrière moi. Salut Tommy, hello, hello. Et je voulais juste mettre ça un peu plus, voilà, au goût du jour. Comme ça, parfait. Hey, là, on jase. Là, on jase. Alors, sans plus tarder, je vous présente le break d'aujourd'hui. Un 3 boîtes 100% Prospect. Alors, une Panini Elite Extra Edition, Leaf, Flash, 6 autographes. Et une Bowman Hobby. Un autographe, mais beaucoup de beaux prospects. Salut Jonathan, long time no see. Hey, vite fait de même, mon Frank, je le sais pas. Au baseball, c'est pas vraiment un sport qu'on va vraiment se mémoriser là, tous les numéros. Hey, salut Martin! Hello Martin! Écoute, il y a des numéros qui me disent de quoi, tu sais. Non, j'en ai pas. Ben, il va en avoir, ça sera pas long, mon pote, des gilets de Wander Franco, ça sera pas très long, parce que d'après moi, c'est un solide prospect. Ça fait longtemps que je le dis, ça fait longtemps qu'on en parle, et plusieurs personnes en parlaient, mais là, on le voit, la mesure de son talent, là. Solide prospect. Alors, vous voyez ce que ça peut faire des fois, hein? Vous avez une carte dans une boîte, puis ça veut pas trop. Puis là, finalement, boum, le gars explose. Puis regardez aujourd'hui, cette carte-là vaut à peu près 3 000 $. Ben, ça, c'est sûr qu'il y a juste 2 matchs de jouer. Ce soir, je ne sais pas s'il est terminé le match, mais ça allait quand même pas si mal. Je pense qu'il est 0 en 2, mais un but sur balle. Oui, hier, 2 en 4, un double, un circuit, un but sur balle. Et tout un but sur balle. Mais surtout, essayez de voir le double jeu quand le match était à... Je crois qu'il était à 5-5 en 7e manche. Il a fait un double jeu assez impressionnant pour un joueur de son âge. Trappe une balle, pense d'aller taguer le joueur entre le 2e et le 3e. Et un beau relais au premier but, très très bien placé pour doubler. C'était serré, mais solide. Wander Franco à suivre. Alors, un joueur avec le 77. Bonne question, mon Frank. Bonne question. Mais en effet, ça va être beau à Montréal. Ça reste à voir quand et comment ça pourra être possible. Ben écoutez, je ne vous fais pas perdre votre temps plus que ça. J'ai autant hâte que vous de voir ce qui se cache dans ces boîtes. Et je vous ai laissé un petit peu patienter. Alors, faire souper au restaurant. Et oui, mon premier en 1 an et demi. Alors, ben écoutez, faut bien se gâter une fois de temps en temps. Et c'était ce soir. Alors, là maintenant, c'est à vous d'être gâté. Alors, break 77 est en marche. Bonne chance à tout le monde pour la distribution des équipes. Juste une petite seconde. Il y a un petit truc qui vient de survenir. Parfait, ça devrait être réglé. Alors, on clique ici et on clique là. 1-0 Tampa. Est-ce que ça serait le début de la fin pour les Islanders? On ne le sait pas. Alors, je retourne dans mon panel. Je vais juste faire un petit tour de magie. Pouf. Et voilà, c'est revenu. Et on clique ici. Et si tout va bien, dans les prochains instants, on devrait voir la machine se mettre en marche. Ça arrive des soirs comme ça, où elle a de la difficulté à communiquer avec le site de random.org. Alors, quand ça arrive, ben, je vous fais la conversation. On essaie que ça ne paraisse pas trop. Mais vous voyez tous le petit bouton en bas ici qui lui ne se fait pas aller. Alors quand il va passer du assigné à distribution, communication, je ne me rappelle plus exactement le mot. Mais ça va être parti. Extended de repoussé. Oui, ça va être repoussé. Ah, du moins la date que j'ai eu semblé voir. Il y en a qui disent le 8, d'autres disent le 7. Moi j'ai vu le 7. Peut-être le 8. Ça dépend aussi, est-ce que c'est le 7 et c'est 7 le soir, donc le 8, on ne sait pas. C'est toujours une question de savoir qu'est-ce que les fournisseurs et distributeurs vont être capables de nous dire comme information. Mais pour l'instant, moi, la date que j'ai semblé voir lors de ma dernière vérification, c'était bien le 7.
juillet. Donc le 7 du 7, 7 du 7, excuse-moi. Et ouais. C'est ça. Alors, souhaitons que ça ne soit pas encore repoussé pour les adeptes du Extended Edition. Et en effet, l'Extended Series, excusez-moi. Et bien sûr, le merveilleux Stadium Club que j'adore plus que tout. C'est parti en passant pour le premier tour de Baltimore à Atlanta. Et oui, Stadium Club sort cette semaine. Je me croise les doigts qu'on va être capable d'en avoir. Je vous reviens avec ça étant donné le ferry. Deuxième tour de Minnesota à Cubs. Et le troisième tour de brassage des Red Sox à Milwaukee. On y va pour le deuxième tour de brassage. C'est un départ. Alors on débute avec Tommy et on finit avec Jack. Alors le deuxième tour devrait suivre dans quelques instants. Le voilà. Jonathan à Sylvain. Jojo Romero. Ah oui, Jojo Romero. Et voilà pour le dernier tour de brassage de Johan à Mathieu. Et assemblons le tout dans l'ordre alphabétique. Voilà, c'est effectué. Les tours de brassage ne sont pas disponibles si haut. Je vous explique pour ceux qui sont là pour la première fois. Ça arrive que la communication avec notre API, donc c'est une application qui permet de communiquer avec random.org via notre plateforme. Bien, des fois, ça arrive que ça ne fonctionne pas. Fait que ce qu'on a mis en place, c'est tout simplement une roue de rechange, donc une roue de secours qui, elle, permet de faire quand même dans un vidéo live le random. Alors, quand vous voyez le secours avec un astérisque, c'est seulement que c'est la roue de secours qui a été utilisée. Si vous souhaitez avoir les résultats des brassages, c'est toujours disponible. Vous devez seulement me faire un petit message et moi, je m'organise pour vous fournir le tout. Mais je vous assure que tout ça est 100% au hasard. Alors, on y va. On passe en mode carte. On y va et je vous ramène la liste des équipes juste ici. Faisons un léger tour. Un tour rapide mais assez complet. Allons-y. Alors, l'Arizona a toujours beaucoup de choix. Corbin Carroll, on a des lanceurs. Blake Walston, entre autres. Atlanta, ben pourquoi pas, hein? Acuna est possible d'avoir ici. Los Angeles, il y a du Los Angeles ici et du, voyons, lui là, Ronald, dans celui-ci. Sinon, Baltimore, très bon choix aussi pour le Bowman, Kobe Mayo. Et on a du Aston Kerstad ici et là, très potentiel avec plusieurs autres joueurs comme Gunnar Henderson et Grayson Rodriguez. Les Red Sox pour Johan, ben, je te dis que tout simplement, Blaze Jordan dans cette boîte-là pourrait facilement te rentabiliser ta place. Très, très facile. Pat, mon Pat, les Cubs, Ed Howard, très, très bon prospect ici. Pour les Cubs, Christopher Morel a gardé ici dans les Chrome ou First Bowman. Malheureusement, pas d'autographe, mais il y a d'autres joueurs pour les Cubs disponibles. White Sox, une très très bonne équipe pour la majorité des boîtes, entre autres avec Yoelki Cespedes, qui est un des joueurs vedettes. Les Reds pour François, très très bonne équipe. J'y arrive, Willen, j'y arrive. Alors, les Reds pour François, on a du Austin Hendrick. Hunter Green, plusieurs joueurs comme ça. Et il y a un joueur avec les Reds dans le Bowman que je me rappelle jamais son nom, qui est quand même un bon potentiel. Martin, excuse-moi, je cherchais de loin, c'était un peu loin. Alors Martin, avec les Indians, dans le Bowman, on a Gabriel Arias à suivre. Oh non, t'as pas fait ça, mon frère. T'as pas fait ça. Là, t'es dû, là. T'es dû pour aller en chercher. Là. Je suis là vendredi. Demain, on est fermé, malheureusement, dû à la Saint-Jean-Baptiste. Alors, pour en revenir avec les Indians de Cleveland, on a beaucoup de jeunes joueurs, dont un shortstop de mémoire ou un catcher, je ne me rappelle jamais, qui est Carson Tucker. Je pense que c'est un catcher. Salut Ben. On continue avec le Colorado pour Sylvain. Sylvain, le Colorado, on a Amador ici qui est très intéressant dans le Bowman. Sinon, Zach Veen dans les autres produits à suivre, ainsi que, j'allais dire Sergio, mais c'est pas Sergio, c'est Drew Romo. Il y a plusieurs Romo dans le monde du sport. Non, je suis pas rendu à Détroit. J'y arrive drette là. Détroit, ben je te le dis pas. On garde ça pour la fin. Tu devrais le savoir, mon Ben. Non, t'es taquine. Spencer Torkelson ici et dans le Bowman. Adinso Reyes, sont des très très bons choix. Houston, on a beaucoup de prospects. Très peu sont extrêmement convoités, mais beaucoup beaucoup de chance avec entre autres Perez, que j'oublie toujours son prénom.
dans ces deux boîtes-là. Dans celui-ci, il y a un joueur que je ne me rappelle plus son nom à surveiller, à voir. Donc, les Royals de Kansas City, ici, on a du Azalacy. Bobby Witt est quand même un bon prospect possible à avoir dans ces deux boîtes-là. Un peu moins de chance par contre, mais il y a la possibilité de mémoire dans la checklist. Sinon, ici dans Kansas City, je ne me rappelle plus, il y a deux bons joueurs, mais les noms m'échappent. Les Angels pour Jonathan. On a surtout dans Bowman Alexander Ramirez de mémoire. Ici, les Angels, Reed Detmers. Comment il s'appelle lui? Ça va venir, on y revient. Shohei Ohtani, je ne penserais pas par contre, mais je pense que tu es au courant, mon Joe. Pour les Dodgers, on a Jake Vogel ici pour le Bowman. Plusieurs autres choix comme Kiber Trues. Des Brennan Davis, oui, Brennan Davis, il est là. Je te confirme que dans le Flash, entre autres, il est là. Brennan Davis, pour l'avoir déjà vu dans une ancienne boîte en 2020. Possibilité dans les deux boîtes, je crois, de Brennan Davis, en effet. On y va avec les Marlins pour Will. William pour les intimes. Très très bonne équipe, les Marlins dans le Bowman. José Salas, un des top prospects à avoir. Sinon, on a Max Meyer en particulier, un excellent lanceur qui s'en vient pour les Marlins. Il y a un autre joueur que son nom m'échappe. Si je le vois, je vais te le dire. On a Mathieu B, parce qu'on a Mathieu D aussi, je crois. Je suis pas certain. Pas certain. Donc, je crois avoir juste un Mathieu. Alors, Mathieu B. Je vais le dire B quand même pour pas prendre de chance avec Milwaukee, Hedbert Perez ou Hedelbert, je me rappelle plus de son prénom, pour le Bowman. Solide choix. Garrett Mitchell dans les deux autres boîtes. Très, très solide à conserver. Allons avec Minnesota dans le Bowman. Aaron Sabato. On a sinon Keoni Cavasso pour les deux autres boîtes à surveiller et d'autres joueurs un peu pêle-mêle. Plusieurs bons petits joueurs, mais aucun qui va se démarquer comme un top 5, malheureusement. Très bonne équipe quand même, Minnesota. Les Mets, pour François, on a Francisco Alvarez. Ah là. Ah ouais? Ah bah ben, tu me diras ça tantôt, combien ça coûte maintenant. Les Mets de New York, on a beaucoup de choix avec si Francisco Alvarez, entre autres, Isaiah Green, qui malheureusement a été échangé, mais est habillé en Mets ici. Dans cette boîte-là, il y a un joueur que le nom m'échappe, pas très très connu. Danny. Pour les Yankees, ben c'est la meilleure équipe, hein, bien sûr. Ici, possibilité d'avoir des Dominguez, Oswald Peraza et dans le Bowman, Kevin Alcantara. Donc, une très très solide équipe pour les Yankees. Pour Oakland, on va passer un peu vite. On a du Soderstrom qui peut être très potentiel dans les deux boîtes du haut. Et dans le bas, je me rappelle jamais de son nom. C'est Buenos ou Buelos. Il me semble que c'est lui, là. Je ne sais pas du tout si ça va être un excellent prospect, mais il y en a avec les Aces d'Oakland et il y a des rookies également avec les Aces d'Oakland à suivre. On continue avec les Phillies pour Karine. Ben, Karine Phillies, c'est une très très bonne équipe. Nick Maton, excuse-moi, dans le Bowman. Sinon, on a plusieurs possibilités avec celui-ci, les deux produits ici. Ben Robert Poisson ne sera pas autographe, malheureusement, mon Patrick. Poisson, je pense pas qu'il est dans les deux, mais on ne sait jamais. Je dis ça peut-être au travers de mon chapeau. Je ne voulais pas le mentionner parce qu'il y a juste des bases dans le Bowman, puis dans celle-ci, je suis pas certain. Donc, Philadelphie, une très très bonne équipe avec un autre joueur que je ne me rappelle jamais son nom. Salut Maxou! Et je t'ai pas appelé, il y a une bonne raison. Alors, on continue ici pour Pittsburgh avec Mathieu Pittsburgh. Écoute, dans ces deux boîtes-là, généralement, sont très très bien représentés. Beaucoup de potentiel. Entre autres avec Nick Gonzalez. Et ici, on a Leover Peguero. Très très bon prospect à suivre. Les Padres de Bastien. Écoute, Robert Hassel, probablement ton meilleur prospect ici. Et il y a des possibilités dans le Flash d'avoir du Tatis. Je dis ça comme ça. Les Giants, on y va très vite pour Tommy. Dans le Bowman, ici, on a des prospects pas first de Patrick Bailey. Et des Patrick Bailey, ici, dans les deux boîtes sur le dessus. Plusieurs autres prospects comme Marco Luciano. Lui, là, Hunter Bishop. Très bon potentiel. Et un autographe que je ne me souviens plus qui est dans le Bowman. Parfait, mon Maxou. Je finis mon tour. On est dans le dernier droit avec les 6 dernières équipes pour Sylvain. Seattle. Seattle, on a naturellement du J-Rod, Julio Rodriguez, un solide prospect pour
eux. Kalanich ne devrait pas y être, mais pour ce qui est d'ici, le Seattle, c'est so-so. Pour ces deux boîtes-là, par contre, là, très très bon potentiel avec le Elite Extra, entre autres avec le lanceur. Lanceur Emerson Hancock à suivre. Les Cards de Saint-Louis pour François. Ben les Cards, on a du John Torres, Dylan Carson, rookie, très potentiel aussi dans le Bowman. Vite, vite comme ça, il y a Jordan Walker qui est disponible dans les deux boîtes du haut. Les Rays pour Michel, un peu moins potentiel pour le Bowman ici, mais il y a des Wander Franco et beaucoup d'autres prospects. Il inclut McClanahan et lui, j'oublie toujours, Vidal Brouillon et Xavier Edwards, qui des fois est avec les Padres et des fois avec les Rays. Donc, il y a des très bonnes chances avec les Rays dans ces deux boîtes-là. Le Texas, solide équipe pour François. François, tu peux avoir du Maximo Acosta ici. Et là, le choix est incroyablement grand. Baron Laura, Luis Angel Acuna et Justin Foscue sont juste les trois préférés, les trois meilleurs que tu veux voir. Plusieurs autres choix à suivre. Sylvain Arbou, ouais, là, tu as du Austin Martin avec les Blue Jays ici. Peut-être, je te le souhaite fortement pour la Bowman. Sinon, oui, Austin Martin est aussi disponible dans les deux boîtes sur le dessus. Alec Manoa a peut-être des chances de s'y trouver. Relvis Martinez, je sais que j'en ai déjà vu. Alors le reste est à suivre, mais ce sont pas mal les meilleurs choix. Et Washington pour Eric. Non, c'est une excellente équipe Washington avec Jeremy De La Rosa dans le Bowman, ainsi que Cade Cavalli qui va être très prometteur comme lanceur prochainement. Alors c'était le tour de piste que je me permets de faire avant chaque début de break au baseball, surtout quand on va dans les prospects. Si vous avez des questions, et ça sent quoi? J'ai mis un peu un aperçu tout à l'heure en image. Si tu ne l'as pas vu, surprise! Non, je vais probablement le poster ce soir, tout de suite après. Alors, ça va être 4 boîtes. Oui, je te le dis tout de suite, il va y avoir une Flash, une Tier 1, une Finest de cette année et une Topps Stadium Chrome. Alors, c'est 4 boîtes et je vous le dis, c'est pas une surprise, là, je vous le dis. Vous êtes privilégiés, vous êtes les premiers à le savoir. 31$ chaque place. Alors, 4 boîtes à 31$ pour un total de 6-2, ce qui fait 8 plus 2, 10 et un autre auto. On a 11 autographes assurés dans ces 4 boîtes. Alors, c'est parti pour la Panini Elite Extra Edition. Trompé de boîte. 5 paquets, mais ne la sous-estimez pas. Et non, mais non. Pas une auto pour Frank. C'est à lui de participer. Alors, 11 autographes assurés, 4 boîtes, 31$ chaque spot pour le prochain break qui sera affiché dès ce soir. Et c'est un départ. Tyler Soderstrom, les Aces d'Oakland, sur 999 pour les Aces d'Oakland. Isaiah Green pour les Mets de New York. Et dernière chose que j'ai oublié de vous mentionner, ce produit a beaucoup de joueurs qui sont des joueurs de la République dominicaine qui n'ont pas encore été autographiés, qui n'ont pas été signés encore par les équipes des majeures. Alors, celles-ci seront toutes en random. Si c'est une autographe, ça sera random parmi tout le monde, chaque auto. Sinon, on va faire un pot avec toutes les cartes non autographiées des joueurs de la République dominicaine. Alors, chaque carte auto est un random. Chaque carte non auto s'en va dans un seul random. C'est parti tout le monde. Alors, Isaiah Green, Chrome. C'est la première fois, je pense, que je note Prism Chrome ici. Isaiah Green pour les Mets de New York. Peter Popovich. Écoute, lui, il a un solide nom pour Texas. Zion Bannister. Prime Numbers. Un joueur que je ne connais pas. Quand même un solide nom. Zion fait penser aux joueurs étoiles. Excusez-moi. Des Pelicans de Nouvelle-Orléans. Au basketball. Hein? Zion Williamson et Bannister. Ça sonne Batman, je sais pas. Donc Zion Bannister, numéroté sur 187 ici pour les Rangers du Texas. Un natif de Nassau aux Bahamas. On va reculer juste ça un peu. Et je suis
Sincèrement, désolé tout le monde, j'ai vraiment des allergies qui repartent. Wow. On a une autre. Oh, nice, ici, une belle autographe de Victor Acosta. Et ce n'est pas Maximo Acosta. Je vais faire mes recherches, mais s'il s'agit de Victor Acosta, qui n'est pas Maximo Acosta, peut-être un frère, sait-on jamais. Ben, si c'est Maximo, ça s'en va au Texas, mais ça pourrait être potentiellement notre première carte random. Alors, je vais valider l'information à la fin du break. Alors, autographe ici de Victor Acosta, joueur de la République Dominicaine. On va le mettre ici de côté, juste au pied du podium de la gloire. Et pour les Tigers de Détroit, Colton Keith sur 499. Je crois que c'est une Green Aspiration. Colton Keith sur 499. C'est pour les Tigers. Prochain packer. Alors, voyez, déjà 5 cartes, un seul paquet, déjà 2 autographes. On y va. La prochaine carte ici pour Toronto, Zach Britton sur 9,99. Et ce n'est pas le releveur des Orioles de Baltimore, ne vous trompez pas. Zach Britton porte le même nom, mais lui, c'est un frappeur. Pour les Blue Jays. Alors, frappeur, est-ce que ça dit la position? Non. De mémoire, il me semble qu'il jouait dans le champ. Alors, ce n'est pas très grave. On va regarder ça un peu plus tard. Alors, pour Toronto, la prochaine ici est à l'envers. C'est une die-cut. Et die-cut de Will Klein. Alors, Will Klein pour Kansas City sur 999. Alors, c'est une... je pense qu'ils appellent la variation Decade. Alors, une die-cut sur 999. Ça sonne Batman. Ça va sonner chez Batman si Vegas gagne pas demain. Hein? Alors, Will Klein, Decade sur 999 pour Kansas City. Et la prochaine est également pour Kansas City, Azar Lacy. Alors, Azar Lacy, USA Material. Avec des noix de coco. Pour ceux qui suivent sur d'autres plateformes et qui n'ont pas vu le commentaire de Patrick, il fait dire les joueurs cubains et portoricains sont des frappeurs solides. Ils se pratiquent avec des noix de coco. C'est le cas de dire c'est solide. Alors, Azar Lacy, on dirait ici qu'il manque un bout de bras. Mais non, il y a vraiment un bras complet. Alors, c'est un jersey. National Team Collegiate Azar Lacy. Ce n'est pas numéroté. Et ça va au... j'allais dire au Chief. Bravo. Au... Royals, Kansas City, Azar Lacy, un des top prospects, je crois qu'il était le numéro 3 au repêchage de l'an dernier. La prochaine, il s'en va au Texas. Je l'avais dit, Texas, solide. Josh Jung, Hidden Gems, son nom sonne un peu étrange peut-être pour certains, mais ça reste un choix. Oh, 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 nice. Merci. Est-ce que c'est Francis? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est Francis? Le kid de 16 ans, Victor Acosta. Yes, good. Ben, merci beaucoup. Écoute, signé par les Padres, je vais seulement avoir à le valider à la fin du break pour le montrer à tout le monde. Mais merci beaucoup, ça va simplifier mes recherches. Alors, ça irait théoriquement aux Padres de San Diego de Bastien. Ici, la Victor Acosta, sous les bons conseils de Francis qui me suit via la plateforme de Twitch. Victor Acosta serait un joueur cubain, un petit cubain de 16 ans. J'ai-tu dit cubain? Tu m'as pas écrit qu'il était cubain. Tu m'as juste dit un kid de 16 ans, beaucoup de potentiel et signé par les Padres. Alors, si tel est le cas, félicitations aux Padres. Je vais quand même avoir à le valider, mais... je te fais pas mal confiance. Josh Jung, Hidden Gems ici pour Texas. Alors, solide joueur pour les Rangers qui, lui, a été repêché en 2019 dans le 10 premier. T'es-tu 10e? T'es quand même assez élevé dans les rangs. Alors, Hidden Gems ici de Josh Jung. Et la 5e carte
pour Seattle, Juan Ten, Turn of the Century. C'est numéroté sur 120. C'est pour les Mariners. Turn of the Century, Juan Ten. Ten, faut-tu dire le H? Juan Ten pour les Mariners sur 120. Prochain paca. On y va. Et dis-moi, Francis, puisque tu as l'air à l'avoir trouvé en faisant tes recherches, ou peut-être tu le connais juste très très bien, est-ce que c'est le frère de Maximo Acosta qui est disponible présentement dans le Bowman 2021? En attendant la réponse de Francis via Twitch, Nick York ici pour les Red Sox de Boston. Nick York sur 999. Une autre carte ici qui, de mémoire, est pour les Mariners de Seattle, Zach Deloach. Si ma mémoire est bonne, je suis pas mal sûr qu'elle l'est pour ce joueur, du moins. C'est une Zach Deloach que je sleeve surtout parce qu'elle est chrome. Alors, évitez le frottement et l'usure via le frottement sur la carte. Alors, Zach Deloach, probablement pour Seattle. À valider, mais je suis pas mal sûr. Et on retourne faire un tour à Seattle, ici avec Juan Ten. Juan Ten, autographe, Elite Extra Edition. Aucune idée. Ah, ben on sait jamais, tu sais, des fois t'es sur un article qui parle d'un joueur, puis oh, bon joueur, puis d'ailleurs, il est le frère de... Mais c'est pas écrit, on verra si on peut trouver cette info-là tantôt. Juan Ten, donc autographe pour les Mariners de Seattle. Et pourquoi pas aller avec un joueur assez solide pour les Orioles de Baltimore. Boom! Pour les Orioles de Mathieu Heston Kerstad. Ça se mérite une petite chanson. Puis je connais pas la chanson de Baltimore. On l'écoute. Oh, Baltimore! Ah oui, c'est vrai, on l'a entendu l'autre fois. Heston Kerstad, deuxième choix au repêchage 2020 pour les Orioles. Hard sign. Heston Kerstad. Alors, Heston Kerstad, comme je le disais, qui n'était pas prévu à être repêché aussi haut l'an dernier, mais a déjoué tous les pronostics et s'est vu être repêché en deuxième place. Après avoir été, je crois qu'il a été... excusez, message de Facebook bizarre. Alors oui, Heston Kerstad était, je crois, 10e ou 12e dans le rankings, donc dans la centrale, si on peut dire, et finalement sorti deuxième. Et le dernier joueur de notre troisième paquet, Holden Powell, pour les Nats de Washington, Prime Numbers. C'est numéroté sur 190. Prime Numbers de Holden Powell. Non, pas encore pour Miami, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, Holden Powell sur 190 pour Washington. On passe au prochain paquet. Hein? Prochain paca. Ah oui, donc. Oh oui, lui, je l'aime. J'aime ça, son nom, lui. Backway! Il me fait très rire, son nom. Backway! Backway! Alors, Backway! Panini! Elite Extra Edition sur 999. Et si je ne me trompe pas, Backway est avec les Yankees. Pas mal sûr que c'est les Yankees. Je vais probablement avoir à le valider en classant, mais Backway, c'est sûr que c'est New York, alors c'est un ou l'autre, mais pas mal le feeling qu'il est avec les Yankees. Backway pour les Yankees de New York. La prochaine, ouh, c'est beau ça, oh yeah, pour les Rays, Vidal Brouillan Aspiration, c'est numéroté sur 41. Vidal Brouillan. Et pour ceux qui ne connaissent pas Vidal Brouillan, Kaboom! Ce n'est pas une marque de restaurant que nous appelions plutôt dans notre jeune jeunesse Patio Vidange. Non, non.
s'agit bel et bien d'un solide prospect qui a même été déjà comparé aussi bon et peut-être même avec un ceiling un peu plus élevé que Wander Franco. Oui, et ce n'est pas peu dire. Vidal Brujan pour les Rays de Tampa Bay. Numéroté 31 sur 41, die-cut aspiration. C'est pour les Rays. Good hit. On continue ici avec une carte qui devrait être... Ah non, il y en a deux. On a juste une. Alors, la carte ici de Tyler Brown, lanceur pour les Astros de Houston. Astros de Houston. Tyler Brown. Autographe pour Houston. Alors, ceux qui posent la question, sur 8 autographes, il y en a en général, je crois, la moitié qui sont hard sign. La prochaine sera probablement une random, sauf si le joueur a été signé. Fabian Lopez, qui provient de la Ligue de la République Dominicaine. La DPL. Fabian Lopez, numéroté sur 199. Alors, jersey, autographe, Fabian Lopez sur 199. Jersey, autographe, à valider, très fort probablement. Un joueur pas encore signé, il a l'air assez jeune, il a l'air d'avoir 14 ans. Alors, si il est signé, bien, on va trouver à qui et la carte sera attribuée. Sinon, c'est un random parmi tout le monde. Jack Hartman, la dernière carte de notre quatrième paquet. Alors, Jack Hartman, Aspiration sur 499. Ce n'est pas autographié, je ne me rappelle pas si j'ai dit autographe. Si c'est le cas, c'est mon erreur, mais non. Jack Hartman, Aspiration pour les Pirates de Pittsburgh sur 499. Dernier paquet de Panini. Elite Extra Edition. On start ça tout de suite, pourquoi pas, avec une carte des Rangers du Texas, Justin Foscue. Justin Foscue sur 999. La prochaine sera une die-cut. Alors, la die-cut sur 999. Oh, pour les Twins du Minnesota. Pour les Twins. Aaron Sabato. Alors, une die-cut. The Cade. Pour les Twins de Aaron Sabato sur 999. Voilà, il faut faire très attention. Aaron Sabato pour les Twins. Alors, tantôt, je l'ai dit, Alain, les Twins. Ou si je ne me trompe pas, c'est Mireille qui regarde à la place d'Alain. Alors, si tu es là, Mireille, salut! Aaron Sabato, die-cut sur 999 pour les Twins du Minnesota. La carte, la prochaine, il en reste deux. On a une Jersey USA Materials. C'est pour les Phillies de Philadelphie. Alors, Phillies de Philadelphie, Alec Baum. Alors, National Team Pro. Pour les Phillies. On l'avait pas parlé de lui tantôt, Karine. Mais oui, Alec Baum. Ce n'est pas numéroté. Joueur recru actuellement avec les Phillies de Philadelphie. Alors, Jersey, Team USA, Material, de Alec Baum. Reste deux cartes. La prochaine ici est pour les Indians de Cleveland. Oh, la dernière, la 49 de 49, Aaron Bracco. Prime Numbers. Autographe pour les Indians de Martin. Martin. The Groom, c'est pas solide, c'est inhumain. C'est inhumain ce qu'il est en train de faire, Jacob The Groom. Alors, Aaron Bracco, Prime Numbers, Die Cut, autographe. Et c'est la Last Print, 49 de 49 pour les Indians de Cleveland. Belle carte ici, Aaron Bracco. Donc, il nous en reste une dernière et elle appartient probablement aux Dodgers, mais je ne suis pas sûr. Et là, le doute s'installe juste parce que Blakely, Warner Blakely, me dit quelque chose. Et c'est pas la couleur de la carte qui me porte à confusion. C'est vraiment
Est-ce que Blakely. Ça se peut que ce soit les Angels. Je vais devoir le valider, mais chose certaine, c'est à une des deux équipes, entre les Angels et les Dodgers. Mais j'ai tendance à penser que c'est plus les Dodgers. À valider. Alors, pour Los Angeles, une des deux équipes de Los Angeles, ce sera Werner Blakely sur 249, la 13. Alors, à valider ici, juste pour le plaisir de savoir. Et non pas juste pour le plaisir, mais quand même distribuer la carte à la bonne équipe. C'est quand même un must. Deuxième point ici, on y va avec notre Leaf Flash. Leaf Flash. 6 cartes toutes déjà théoriquement top loaded. Alors, tout ce qu'il va avoir à faire, c'est utiliser le decoy de la chance pour masquer. Et je dois juste valider parce que des fois, sont... Ah, parfait. Sont toutes correctes. Des fois, sont... sont comme déplacés dans la boîte, là, fait que c'est assez difficile de les bouger. Il y a quelques cartes, des fois, qui peuvent bouger. Et là, il y en a une en dessous qui n'a pas voulu venir. Les Angels! Merci beaucoup, mon Jonathan. Tu vois, mon feeling était quand même pas pire. Je pensais que c'était les Dodgers. Ah, mais Tommy, fais-toi-en pas, les White Sox peuvent sortir à tout moment. Il y a des joueurs dans toutes les boîtes pour les White Sox, dont Yoaki Cespedes, Andrew Dahlquist et plusieurs autres à suivre. Donc, Werner Blakely, c'est pour les Angels de Jonathan. Et ça tombe bien, hein? C'est toi les Angels. Voyons, pourquoi la boîte ne ferme pas? Ok, alors, on devrait avoir ici 6 autographes. On y va. Ces boîtes-là, je les aime bien. Je les garde souvent pour distribuer des choses ou conserver des cartes pour quelqu'un. Alors, on y va avec la première carte. Je souhaite bonne chance à tout le monde pour cette première boîte. Oh, ça commence bien ici pour les Yankees. Les Yankees de New York. Austin Wells, c'est une XRC, le logo de recrue de Leaf. C'est numéroté 28 de 35. Austin Wells, pour les Yankees de mémoire, pas mal certain. Mais Yankees, Austin Wells, pour les Yankees. Alors, ça mérite quand même une belle petite place ici. Sur 35, la prochaine. Lui, son nom me dit quelque chose. Alex Santos. Alex Santos Leaf XRC. À qui appartient Alex Santos? Est-ce que je me trompe? Santos. Alex Santos. Les cards? Je suis pas sûr. Lui, il va falloir que je le valide. Si quelqu'un veut le faire pour moi. Mais de toute façon, je refais la vérification après. Alex Santos, j'ai vraiment un blanc de mémoire, c'est les Cards ou Houston. Je sais pas pourquoi. Alors, ce serait la 42 sur 50 de Alex Santos. Validation à venir, sauf si quelqu'un le fait déjà. On continue avec la troisième carte de cette boîte. C'est Jordan Westberg. XRC Astros. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, Alex Santos pour les Astros de Houston de Bastien. Il vous en doit une. Jordan Westberg. Et lui, pas mal certain que c'est pour Baltimore, numéroté sur 15. Et si je me trompe et que j'ai l'air trop confiant en disant les Orioles de Baltimore, je suis pas mal sûr que c'est Baltimore. Sinon, il y a quelqu'un qui va dire « Non, c'est les Nationals ». Checkez bien ça. Jordan Westberg, j'ai beaucoup tendance à penser que c'est pour les Orioles de Baltimore. Je vais le laisser juste ici. Et si quelqu'un a à me corriger, je le sens. Allez-y, vous pouvez. La prochaine, oh, pour Seattle. Flash of Brilliance pour les Mariners. Julio Rodriguez. Numéroté ici, 23 sur 50. J'ai mis un Julio Rodriguez. Et j'ai vu jouer dans le monde. Julio Rodriguez ici pour les Mariners.
Seattle. Bravo, Sylvain. Bravo à tous ceux et celles qui auraient goûté. Pourquoi on a séparé 30 équipes au 28 avec une boîte de Bowman? Ben, la raison, c'est surtout la boîte de Flash et la boîte de Panini Extra Edition, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de prospects dans les 4 équipes combinées, c'est-à-dire les Astros, les Mariners, les Rays et qui l'autre? Atlanta. Atlanta aussi a beaucoup de bons prospects, dont lui là, tu sais, puis l'autre là. Non, les noms viennent, c'est juste que Braden Shoemaker et Shea Langeliers, entre autres, sont de très très bons prospects. Donc, Julio Rodriguez ici pour les Mariners. Beau break à date pour les Mariners. L'avant-dernière carte ici, Slade Ciccone. Lui, j'ai toujours la misère à dire son nom de famille. Ciccone. Alors, c'est numéroté sur 50, la 45 de 50, et elle est pour les Diamondbacks de l'Arizona. À moins que le joueur ait subi une transaction. Mais Slade, Ciccone, Flash XRC, autographe sur 50, serait bel et bien pour l'Arizona. Alors, je la place ici de toute façon. Si personne ne me corrige, moi, je me revérifie quelques fois avant de terminer. Et la prochaine, je ne veux pas voir c'est qui. C'est sûr qu'elle est numérotée, mais je ne veux pas voir non plus. Sur quoi. Regarde, on va aller voir. On va aller voir à qui appartient cette merveilleuse dernière et sixième carte pour la boîte de Leaf. Boom! Baron Laura! Oh, nice! Ah ouais, la bonne tourne, Baron Laura pour les Rangers du Texas. Je me sens comme dans le film Odyssey 2001, Odyssey de l'espace. Baron Laura. Il aurait devenu un excellent cogneur de balle de circuit. Numéroté 32 sur 35 pour les Rangers. Baron Laura. Ouais. OK. C'est pas une tonne de célébration, hein? En voulez-vous une? Ah oui, donc! Pour Texas! Baron Laura! Hey! Ah, il est revenu. Il est revenu en santé. Ça a l'air. Il se pratique. Il joue de la balle sporadiquement. Pas encore complètement. Mais gâche pas la merveilleuse célébration ici. Boom, boom, boom. Baron Laura pour les Rangers du Texas. Alors, comme je le disais, oui, Baron Laura se remet assez bien, paraît-il, de son accident. Il est déjà en activité. Par contre, je peux pas dire s'il va bien ou quoi que ce soit. Par exemple, s'il est déjà en game shape. Alors, c'est à suivre. Peut-être aurons-nous des détails très bientôt. Hein? La MLB fait souvent des rapports sur les prospects et surtout lui, on s'entend qu'il est considéré comme un des top prospects, surtout pour les Rangers du Texas qui en ont beaucoup. Dernière boîte. Dernière. Alors, mine de rien, on est déjà rendu à 14 autographes. On pourra même les compter si vous le souhaitez d'ici la fin du break. Maintenant, c'est l'heure du Bowman. Qui dit Bowman dit. Attention, ça peut faire boom! Là aussi, autant que des fois, les autographes sont juste, disons, prometteuses plus que autre chose. Boîte vide ici, 24 paquets de Bowman. On y va au paquet. Seuls les prospects chrome et toutes les first, les rookies et les couleurs, bien sûr, insert, sont envoyés. Ce qui veut dire que les vétérans et les prospects non numérotés ne sont pas envoyés, sauf si vous avez coché la case de vos bases. C'est donc un départ ici. Futurist Francisco Alvarez pour les Mets de New York. On a une Jeremy Peña, Jaron Duran qui seront envoyés. Base prospect. Voilà, on continue. Deuxième paquet. Paraîtrait-il qu'il y a vraiment eu un solide accident, mais c'est pas lui qui a eu comment dire, le pire de l'accident. C'est plus les gens avec lui.
Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il y a aussi eu un décès dans l'auto avec lui. Alors, les cartes recrues vous sont envoyées. On va les passer un peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de doubles. Azza Lacy, ici, entered pour Kansas City. Clayton Beter et Eddie Diaz, first Bowman pour le Colorado. Base Aaron Sabato pour les Twins. Paper First et une Paper First ici, José Salas pour les Marlins de Miami. Très, très bon prospect. Très Salas. J'espère qu'il ne fait pas de blagues Salas. Oh. On continue. Rookie, rookie, rookie. Trois fois. Ça vient ici. Acuna. On va là. Oh, on a de la couleur. Est-ce qu'on a de la couleur? Talent Pipeline. C'est pour les Dodgers. Cody Hayes, Josiah Gray et DJ Peters. Beau trio. Aaron Sabato. Chrome. Une belle Chrome ici pour les Twins. Et derrière, qu'avons-nous? Une belle couleur qu'on voit pas souvent. Nolan Jones. Alors, je crois que c'est vert. Mini Diamond. Si je ne me trompe pas. Ce serait Green Mini Diamond. Quelque chose du genre. Ou Neon Green Diamond Mini Diamond. Mais du moins la carte est numérotée sur 99. Et appartient aux Indians de Cleveland. Alors, Nolan Jones Green Mini Diamond. Ça, je suis pas mal certain que c'est Mini Diamond. Ici, 53 sur 99, voilà, 53 de 99 pour les Indians de Cleveland. Je vais mettre ça ici, voilà. Mine de rien, on a une belle first prospect pour Toronto à Sylvain Green Onion. Ouais. Donc, c'est pas Green Goblin, Green Monster ou Petit Pois. Le monstre vert, là, les cannes de maïs, là. Neil Diamond. Oh, Neil Diamond! On a un connaisseur ici. Donc, Austin Martin, First Bowman Paper pour Toronto. Green manque de vacances. Ouais, ouais. Écoutez, je c'est toutes des bonnes réponses. Toutes des bonnes réponses. J'adore. Si jamais un jour Tops ou Bowman, dans le fond, qui est la même compagnie, nous contacte pour avoir de l'inspiration. Je soumets vos idées. C'est une promesse. Beaucoup, beaucoup de très bonnes idées. J'adore. CJ Abrams ici pour les c'est Padres de San Diego. Top 100 Bowman Scouts et la prochaine est une très bonne carte. Oui, pour les Blue Jays. Austin Martin Chrome. On commence à être chanceux avec les Austin Martin Chrome. On n'en sortait pas au début, puis là, deux breaks de suite ou des Austin Martin. Un grand prix. Et c'est le grand prix de baseball. Austin Martin First Bowman Chrome pour les Blue Jays. Je ne sais plus si elles se détaillent encore aussi chères qu'elles étaient au début. Mais au début, les gens se transigeaient cette carte-là dans le coin des 80$. Je suis pas mal sûr que ça l'a réduit. Là. On était plus autour du 20-25, mais conservez ça, cette carte-là. Alors, pour Sylvain, un beau petit hit. Yun-Hil Choi, First Bowman pour les Dodgers. Chrome, De La Rosa, Paper First Bowman pour les Nationals. Et deux Prospect Paper. Alors, on est ici en compagnie de Austin Martin, Grand Prix, numéro 77. ChaseStack.ca. Est-ce qu'on a déjà l'auto? On va aller voir si c'est l'auto. Pas de flafla. On va aller voir tout de suite si c'est ça. Et non, ce ne l'est pas. C'est une carte numérotée de Corbin Carroll. Alors, Bowman Scouts Top 100. Le numéro 95 des Diamondbacks de l'Arizona. Corbin Carroll. 55. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est à peu près ça, là, environ 25$. Alors, Corbin Carroll Refractor sur 125 ou Aqua, je ne sais pas trop si c'est Aqua ou Refractor. Je sais qu'ils ont mis des nouvelles couleurs cette année. Alors, Corbin Carroll sur 150, non, 125, c'est des chances d'être Aqua.
Sinon, ça devrait être sur 150. Toglia et Lynch Chrome. Oui, et les trois autres sont des Prospect Paper. On continue. Le prochain Packer. Packer. On y va. Pache, Ruse, Patino, 3 Rookie. Et ici, Mike Trout, qui Brian Hayes pour les Pirates de Pittsburgh. Rookie of the Year Favorites, Andrew Dogvist. Chrome pour les White Sox et James Beard pour les White Sox. De Chrome. Chrome Prospect non first pour les White Sox de Chicago. Prochain et Packer. On y va avec base sont des vétérans. Alors, Futurist ici, Reed Detmers pour les Angels de Los Angeles. Futurist de Reed Detmers. Blaze Jordan Chrome pour les Red Sox de Boston de Yoan. Et derrière, on a du Speckle. Est-ce que c'est une Speckle autographe? Non. Mais une belle Blaze Jordan First Bowman pour les Red Sox. Celle-ci va aller dans un tapload. Blaze Jordan. Lui ici, à chaque fois que j'entends son nom, je pense à une chanson ou à quelque chose. Lui, je pense surtout à Blaze of Glory de Bon Jovi. Alors, Blaze Jordan pour les Red Sox. La prochaine est une Speckle. Speckle. Refractor, numéroté sur 299 pour les Blue Jays de Toronto. Simeon Woods Richardson. Alors pour Toronto, Speckle Refractor sur 299. Simeon Woods Richardson. On continue avec une First Paper de Ismael Mena pour San Diego. Et deux prospects de fin de Paca. Johnny Blaze, ben ouais, Johnny Blaze. Bon vieux suit, Johnny Blaze. Been a while, but Chris Bubich et Tyler Stephenson, rookie. Ici, on a une Bowman Scout Top 100 Jazz Chisholm pour les Marlins de Miami. On a une Jordan Adams pour les Angels et une Jérémy De La Rosa pour Washington. Jérémy De La Rosa qui devrait porter le numéro 25. Ça va être la BCP. BCP. 25, BCP 25, si ma mémoire est bonne, est-ce que ma mémoire l'est? Ok, fort, la 25, Jérémy De La Rosa pour les Nationals. En fait, c'est plus un prospect, Jazz Chisholm, il a été rappelé et il est maintenant au statut de recrue. Alors, c'est plus prospect, mais bien recrue avec les Marlins et quand même un bon prospect, oui. Je dis pas que c'est le prospect de l'année à espérer pour les Marlins, mais quand même beaucoup de potentiel pour Jazz Chisholm. Dylan Dingler, qui a été rappelé avec Spencer Torkelson dans le 2A dernièrement, et Jason Rosario pour Boston. Nick Mattin, First Prospect Bowman pour Philadelphia Paper. Et Christopher Morel pour les Cubs de Chicago, First Bowman. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mon Frank, mais potentiellement Jazz Chisholm est quand même un bon prospect recrue. Un bon Jack. Rookie of the Year Favorites ici de Christian Javier. Rookie pour les Astros de Houston. On a Colton Walker pour le Colorado. Mick Abel, First Bowman. Pour les Phillies de Philadelphie, Chrome et Josh Jung. Prospect pour les Rangers du Texas. Et une first ici, Antonio Gomez pour les Yankees. Paper. En tout cas, j'ai entendu dire qu'il aimait bien le jazz. Jazz. Jazz Chisholm. J'aime ça dire son nom, lui. Jazz Chisholm.
On a donc Mountcastle et Javier Rookie. Oh, est-ce qu'on a une autographe? Oui, notre autographe, la première et seule de cette boîte et la dernière théoriquement de notre boîte. Et c'est pour les Reds de Cincinnati, Mac Wainwright. Mac Wainwright pour les Reds. Un prospect intéressant que je ne connais pas beaucoup. Par contre, ben, ah oui, donc. On va l'écouter, la sonnerie. Disons, pas la sonnerie, mais l'alarme des Reds de Cincinnati. C'est lui! C'est lui qui est en prison! C'est Mac Wainwright! Ben non! T'es-tu sérieux? C'est-tu lui? C'est son vrai nom, c'est Mackenzie. Mackenzie Wainwright. En tout cas, si c'est lui, ben, dis-moi ça, ça vaut de l'or. Pour les Reds de Cincinnati, François. Mac Wainwright. Écoute, tu m'en colles une bonne, je savais pas ça. Tiens, on va le mettre ici devant quelques cartes, là, juste pour... voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Mackenzie Wainwright. Ah ben. Il serait peut-être accusé de viol. C'est intéressant. Alexander Ramirez, Paper First Bowman. Alors, je ne sais pas si c'est fondé ou pas. Ben, je veux dire, probablement que tu as lu ça quelque part et que c'est fondé. Mais est-ce que les accusations sont portées et confirmées, et etc., etc.? Je pensais que tu parlais du gars qui avait battu... Il avait battu, je pense, son beau-père, puis sa mère, puis une couple de personnes à coups de batte de baseball. Et oui, c'est une vraie histoire. Il y a vraiment un joueur qui a fait ça, mais c'est pas un prospect, c'est un joueur connu. Ben, du moins, il était plus prospect. Bowman Scout Top 100 pour les Rangers du Texas. Sam Hoff, numéro 76. First Bowman, Jose Tenga pour les Indians de Cleveland. Marco Luciano. Lewis Gray et Alvarez sont trois prospects, pas first. Écoute, tu m'en avais une bonne, je pensais pas que c'était lui, mais on va aller suivre ça. De toute façon, quand je vais croiser François, probablement vendredi, sûrement au moment où il va ramasser ses cartes, il va sûrement me poser la question. Puis, de tu checker, c'est-tu vrai, es-tu en prison, ça vaut-tu quelque chose? Alors, on va vérifier ça en temps et lieu. Bobby Witt Jr. Futurist pour les Royals de Kansas City. Azza Lacy pour les Royals et Ryan Vilade pour Colorado. Chrome Prospect. Prochain paca. Alors, ceux qui se demandent de quoi je parle, c'est toujours Francis via la plateforme de Twitch qui nous informe potentiellement que Mackenzie Wainwright pourrait être celui qui est accusé de viol à deux reprises. Et si c'est le cas, est-il ou non en prison? On ne le sait pas. Mais on va suivre ça avec... non pas que je veux m'en intéresser, mais ça pourrait être intéressant au point de sa valeur de revente, si jamais c'est ce que tu voudrais, François. Alors, à suivre. Casey Mize, Rookie of the Year Favorites. Alexander Ramirez, First Bowman Chrome pour les Angels. Mackenzie Gore pour San Diego. Et une Kevin Alcantara, First Bowman Prospect. Donc, c'est sans doute un gentil garçon si... écoute, il a quel âge, lui, pour le fun? S'il est accusé de viol. Il est né en 2002. Tu peux-tu craindre? Il vient juste d'avoir 19 ans. T'es sûr, c'est lui? Darry Vasquez. Danny, pas Darry. Danny Vasquez. Ouais. Tu tiens une PC de ça, toi? Mon Martin. C'est intéressant. On en apprend à tous les jours hein, sur les gens qui nous entourent dans le monde de la collection. C'est ça qui est le fun. Il y a autant de PC que de gens qui collectionnent. C'est génial. On a la Talent Pipeline. Bryce Turang, Mario Feliciano et Corey Ray. Corey Ray! Pour les Brewers de Milwaukee, Royce Lewis pour Minnesota et Edward Cabrera pour Miami.
Chrome Prospect. Ouais, t'as fait raison, mon Pat. Écoute, on doit jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, qu'ils disent. Hein. Brady Singer pour les Royals de Kansas City, numéro 59, top 100 Bowman Scouts. Marco Feliciano Chrome pour les Brewers et Corbin Carroll pour l'Arizona. Isaiah Green, excusez-moi, pour les Mets, qui, je crois, est échangé à Cleveland, je crois. Gabriel Arias, First Bowman pour les Indians et deux prospects de fin de PACA. Alors oui, très très gros match demain où le Canadien, ça passe ou ça casse. Ah non, t'as tout à fait raison, mon pote. Je pense que tout le monde est parti avec un gros préjugé négatif envers le Canadien avant même le début des séries. Bryce Jarvis pour l'Arizona Chrome et une magnifique First Bowman pour le Rangers du Texas, Maximo Acosta. Alors, Maximo Acosta, Venezuela pour les Rangers. First Bowman, pouvez-vous croire que c'est une des seules qui manque pour faire mon set. Du moins, oh, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que c'est la sleeve ou la carte qui a ça? Laissez-moi une petite seconde. Non, c'est le top load, ok. C'est vraiment le top load. C'est pas la carte. Ok, j'avais vu quelque chose, mais ça semble être le top load. Ah, c'est ça. Juste pour voir, là. Je sais pas si vous voyez comme une petite tache ici, là. Donc, c'est dans le top load, ce n'est pas la carte. Alors, Maximo Acosta Chrome, comme je disais, une des cinq qui me manque pour mon set de base des prospects de cette année. Maximo Acosta, First Bowman Chrome pour les Rangers. Cruz, Bobby Witt et Matt Manning, prospect. Non seulement ça, mais à chaque début de série, hein, mon pote, le Canadien va se faire planter en 4. Passe en 7. Ah, le Canadien va se faire planter en 4. L'autre équipe est reposée. Fini en 4. Alors, peu importe ce qui va se passer, je vais être très fier de mon équipe. Même s'ils perdent en 7 contre Vegas. Mais non, j'espère qu'ils vont gagner en 6. Cody Bellinger pour les Dodgers de Los Angeles. C'est donc une 91, donc un anniversaire. Le 30e? Ouais, 30e. Robert Hassel pour les Padres de San Diego et José Salas Chrome pour les Marlins de Miami. On n'a pas eu beaucoup de couleurs là, on est dû. Faut de la couleur. On a eu une belle verte. Je sais que tout le monde adore quand je dis verte. José Salas Chrome, First Bowman. Parle-moi-en, moi tout. Ok, parle-moi-en. Oui, oui. Exact. Hunter Green, en passant, hein, Hunter Green à surveiller. D'après moi, il va être rappelé très prochainement pour faire ses débuts dans les majeures. Un solide lanceur, s'il peut rester en santé. Il pitche des balles de feu du 101 000 à l'heure, assez constant. Alors, j'ai très, très hâte de le voir. Oups, mauvaise pile, ça, c'est des Bellinger, Donaldson et Nola. Voilà, c'est fait. Futurist ici, Nick Gonzalez pour les Pirates de Pittsburgh. Soderstrom pour les Aces d'Oakland. Et Geraldo Perdomo pour l'Arizona. Prospect, prospect et prospect, pas de first. Voyons un petit peu de couleur, là, tout le monde. S'il vous plaît, là, criez un peu, là. Hein? Faites du bruit! Make some noise! Comme dans les arenas. Voilà, Nate Pearson pour Toronto, top 100 Bowman Scouts pour les, mais pas les Maple Leafs, excusez, les Blue Jays, Blake Walston pour l'Arizona et Jordan Groshans dans l'ordre pour l'Arizona et Toronto, Soderstrom, Walston et Trammell, les prospects de fin de PACA. Paper, il nous reste 4 PACA. On veut de la couleur, s'il vous plaît. Un petit peu de couleur. Tanner Hook, Sam Hoff, Dalton Varshow, Brady Singer et Alec Bum. Tous des recrues. Oh, Freddy Nova pour les Astros de Houston.
Et nous avons une Atomic Refractor pour qui d'autre que les Orioles de Baltimore, DL Hall. Pour Baltimore de Mathieu, DL Hall. Ce n'est pas numéroté. Les atomiques, par contre, sont quand même rares. Alors, DL Hall, Atomic Refractor pour les Orioles. Ben, je sais pas si tu as remarqué qu'il était pas là hier. Hein. Les deux étaient, entre guillemets, absents. Ou plutôt dire, n'ont pas été convoqués pour le match d'hier. Alors, est-ce que c'est un signe de réponse de la Ligue qui a écouté tous les gens disant que l'arbitrage était, disons-le, je vais retenir le mot, Mackenzie Gore pour les Padres de San Diego. Donc, 30e anniversaire, Drew Waters pour Atlanta et Logan Davidson pour les A's d'Oakland. Walston, Laura et Detmers sont des prospects de fin de PACA. Même si c'était pas des Québécois, ben, c'est tant mieux. Tant mieux que ce soit des arbitres québécois. Mais Québécois ou pas, on peut vraiment dire au moins l'arbitrage hier a été solide. Là. Il a été très très bon. Absolument rien à dire. Positional Promise de Michael Toglia. C'est pour le Colorado. Westberg Prospect Chrome pour Baltimore. Et Gabriel Arias pour les Indians de Cleveland. First Bowman. Voilà. Pour les Indians, oh, on a une fuchsia. Non, purple. Purple. Purple pour Texas. Byron Laura pour les Rangers du Texas. Parfait, mon ami. C'est qui que t'as juste pour valider, là? White Sox, puis San Francisco. On va checker ça. Run Fournier. Oh, mon Tommy, let's go. Dernier paquet pour toi, let's go. Alors, Purple Refractor. En fait, c'est Purple Border quand c'est du paper comme ça. Alors, Byron Laura pour Texas, c'est numéroté sur 250. La 4, Byron Laura. Il vient de la République Dominicaine. Dernier paquet, let's go, mon Tommy. Normalement, je le ferai après, mais j'ai trop de respect pour les cartes. Puis un petit clin d'œil envers mon ami GY, qui je sais pas s'il nous regarde, mais à chaque fois qu'il ouvre un paquet pour prédire ce qui va sortir, il donne un petit coup de pichenote en arrière. Il dit Ouais. Il y en a une bonne là-dedans. Alors, est-ce qu'il y en a une bonne dans celle-ci? Allez, Roachman. Oh, 2-1 Tampa. Adley Rutschman, Top 100 Bowman Scouts, le numéro 4 pour Baltimore. Zach Veen pour le Colorado. Jared Kalanich, Prospect pour Seattle. Drew Waters, Bryce Turang et une Leover Peguero. Ici pour les Pirates de Pittsburgh. Oh, 2-2, ça change vite. Leover Peguero pour les Pirates que je classe dans la catégorie First Bowman, même si ce n'est pas une first. Il est supposé être une first. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Attention tout le monde. Tombez pas tous en même temps. Bonne Saint-Jean tout le monde. Yes, mon pad, mais bouge pas. Peut-être que tu vas avoir une autre carte. Je te rappelle qu'il y a potentiellement au moins un random. Alors, faites attention, peut-être. On va valider que Victor Acosta est bien avec les Padres de San Diego, selon les bons conseils de Francis, qui m'a référé cette information. À valider. Et ici, on a Fabian Lopez à valider sur 199. S'il n'est pas affilié à une équipe, il sera random parmi les 30 places. Alors, place au récapitulatif. Allons-y. Byron Laura, 2,50 pour Texas. DLR, Salas, Acosta, De La Rosa, Woods, Richardson, Speckle, Blaze Jordan, Corbin Carroll sur 125. Austin Martin, deux fois, Paper et Chrome pour Toronto. Nolan Jones pour Cleveland. Vart, Mini Diamond sur 99.
Alex Santos ici, autographe numéroté sur 50 pour Houston. Werner Blakely sur 2,49 les Angels. Alec Baum, Philadelphie. Sabato pour les Twins. Hartman pour Pittsburgh. Tyler Brown, Houston. Powell, Washington. Deloach, Seattle. Ten, Seattle. Hazelacy, Kansas City. Will Klein pour Kansas City sur 9,99. Jordan Westberg, Baltimore sur 15. Une belle carte sur 15. Slade Ciccioni sur 50 pour l'Arizona. Bracco pour Cleveland sur 49. Dicot Otto. Vidal Brouillan, Dicot sur 41 pour les Rays. Juan Ten, Seattle. Heston Kerstad, Hard Sign pour Baltimore. Josh Jung pour les Rangers du Texas. Toujours pour Texas. Zion Bannister sur 187. Austin Wells pour les Yankees. Baron Laura. Numéroté sur 35 pour Texas. Julio Rodriguez, Flash of Brilliance. Numéroté ici sur 50 pour Seattle. Et Mac Wainwright, est-il ou non le criminel tant recherché? Sait-on jamais? Validons ça un peu plus tard. Donc sur 499 Refractor, First Bowman autographe, Mac Wainwright. Est-il Return of the Mac? Allons voir, deux cartes à valider. Laissez-moi juste ouvrir une fenêtre. Et je parle pas de la fenêtre de l'extérieur. Voilà. Alors, on va chercher le clavier. Donc, on va y aller avec le plus facile. Qui est? C'est Victor Acosta. Baseball, première recherche baseball, deuxième, ça apparaît comme les Padres. Donc ça devrait aller aux Padres de San Diego. Voilà, ok. Et on coche là. Parfait. Donc, Victor Acosta. Allons voir dans Baseball Reference. Alors, Acosta. Venezuela. Attendez-moi un instant, là, je vous croche. Full name, Victor Jesus Acosta, 5 et 11, 160. C'est pas gros, ça, hein? Il porte le numéro 17. Allons voir. Full name. Mais voyons, View Player Info. Bon, il est passé à la page. Alors, pas bien. Salem, il joue encore dans les équipes. Il a pitché en 2016. Mon Dieu, ça fait longtemps. Red Sox, Long Golf, Salam. 2019, Venus William. Écoutez, c'est supposé être facile à trouver. D'habitude, c'est écrit juste ici. Il est né le 2. 96, c'est probablement pas lui. Là. Ça, c'est un joueur un petit peu trop âgé. On va aller voir lui. Numéro 4. Non, c'est pas lui. Pas lui. Ah, ben tiens, on l'a vu ici. Alors, Victor Acosta. Non, je continue. C'est quoi ça? Je veux pas l'adblock, là. Ouais, allô. Allô? Ah. Bon, j'ai des troubles avec mon truc. On va y aller. Baseball America, c'est pas lui. C'est tombé compliqué. LA Angels, non. Oh, Class of 2026. Ça se pourrait. Non, c'est pas lui non plus. Ça va pas bien. Aidez-moi. 140 livres. Mon Dieu, il est pas gros, lui. Non, c'est pas le bon. Bon, il va falloir que tu m'aides si t'es là, Francis, là. Je suis pas à la hauteur. Je
Clique là. Ah, je l'ai ici. Shortstop. Voilà. MLB. 5 et 10, 170 âge. 17 ans. Je l'ai. Ah, ben, je pense que. Ouais, mais c'est ça. CBS Sports ne marchait pas. Alors, semble pas ici être relié. Dans les mineurs. MLB. Not available. Et là, on le voit. Et voilà. Bon. Faudrait que je clique sur la bonne affaire, là. Je sais pas si vous voyez ici. Victor Acosta assigned to DSL Padres. Donc, San Diego Padres assigned free agent Victor Acosta to a minor league contract. Alors, c'est bel et bien un joueur appartenant à l'équipe des Padres de San Diego. Alors, voilà, c'est confirmé. Peux-tu faire back? Voilà. Alors, pour les Padres, ils sont, on le voit ici, hein? Acosta pour les Padres de San Diego. La dernière carte ici de Fabian Lopez. On va aller faire un petit tour sur Google. Merci beaucoup, Francis. Alors, Fabian Lopez. Est-ce qu'on a un signe distinctif de Fabian Lopez, joueur de la DPL Infield? Infielder, Fabian Lopez. Infield. Allons-y. On va marquer baseball parce que là, ça m'emmène dans la lutte, ce qui n'est pas vraiment le domaine de recherche qu'on veut. Perfect Game, Class of 2020. Alors, Fabian Lopez. Uncommitted. National ranking overall. Il est pas, semble pas être avec une équipe. On va faire un back. On va aller voir sur une autre page. Est-ce Fabian Lopez, celui-ci? Né en 75, probablement pas. À la face qu'il y a, c'est pas lui. Ça, c'est un problème quand on cherche avec des noms de Dominicains. Souvent, là, c'est des anciens joueurs. Mais il y en a beaucoup avec le même prénom. Donc, celui-là, en 2006, c'est clairement pas le bon Fabian Lopez. 2007, c'est pas le bon. C'est pas le bon ici en 89. Break Ninja. On va aller voir aussi pour le fun. Est-ce que Break Ninja de Fabian Lopez est relié à une équipe? DPL, DPL. Non, ça semble être pour les. Le random. Semble-t-il, mes recherches n'aboutissent pas tant sur. Je ne veux pas acheter des cartes de Fabian Lopez. Ah, ça peut être bon aussi. Sans regarder YouTube. Baseball. Futura Estrella del Baseball. Alors, très très jeune ici. 40 secondes, on le voit s'entraîner, lancer les balles et frapper. Alors, je ne crois pas que Fabio Lopez soit repêché. Non, en fait, pas repêché, mais probablement plutôt. International Sing Tracker. Est-ce qu'on a la liste? Bon, je ne vais pas y aller par équipe. On va y aller joueur par joueur. On va regarder la liste très très vite là. Alors, nous, on cherche Fabian Lopez. Je suis désolé hein, pour le temps que ça prend. Je m'excuse. Je veux juste être certain de ne pas léser qui que ce soit. Angel Peña. Polanco, Salazar. Je pourrais faire un CTRL F. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais faire CTRL F. Oh, Yolki Cespedes. La liste de tous les joueurs ici. Luis Reyes. Je pense qu'on va sauver un peu de temps tout le monde. Hein. J'ai un peu. Christopher Espinola.
Ok, on va aller en haut de la page. Il n'est pas sur cette liste. Allez, gros merci. Je vais juste faire un Fabian. Villa Diego. Et on en a un deuxième. Samuel Fabian. Alors, il n'est pas sur la liste des joueurs signés. Ce qui veut donc dire que je prends pour acquis que ça devrait aller sur un giveaway. Alors, on va faire un random. Allons-y, allons-y. Alors, random multi-round giveaway. Alors, pour la Fabian Lopez. Sur 199 Jersey Auto. Parfait. Il me manque seulement deux choses. La première, la liste de mes équipes qui se trouvent pas très loin. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Bon. Les voilà. Pas ça, je veux. Excusez-moi. Je vais l'avoir. Voyons. Pourquoi ça sort pas? Je l'ai. Les voilà. Non, je les vois pas par division. Il est où mon site? Ah, je m'excuse, à tout le monde, je suis supposé être plus préparé que ça, là. Les voilà, parfait. Alors, on devrait en avoir 30 si je tasse ceci et copie ça là. Les voilà, 30 équipes, c'est donc une validation au départ avec. Laisse-moi juste réduire la fenêtre là. Alors, on en a 30 ici jusqu'à Washington. Brassons les dés. Alors, le résultat devra être de 5 ou plus. Alors, bonne chance à tout le monde. On a 11. Alors, 11 random. L'équipe au sommet se mérite la carte de Fabian Lopez. Alors, bonne chance. C'est un départ. Et de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 et le tour final. Bonne chance. Eh bien, les Padres de San Diego. Qui a les Padres? Alors, les Padres devraient être Bastien, si je ne me trompe pas. Padres, oui, Bastien. Félicitations, mon Bastien. Tu te mérites la Fabian Lopez. Alors, Padres de San Diego. Après 11 tours de random effectués ce soir, juste ici. Alors, on va cacher cette liste-là ici. Alors, pour les Padres de San Diego, Fabian Lopez sur 199. Voilà. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Écoutez, c'est très, très, très plaisant de faire ça pour vous. Et dès ce soir, oui. Dès ce soir, dans quelques instants, je vais vous poster le break numéro 83, 83, autre chiffre intéressant, mon année de naissance. Alors, ça devrait être un break extrêmement intéressant. On a du Finest ici, on a une Leaf Ultimate 2019. Nous avons une Stadium Chrome ainsi qu'une Tier 1 2021. Donc, Finest Tier 1 2021. Stadium 2020 et Ultimate 2019 pour seulement 31$ devrait être mis en ligne dans une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Alors, je vous remercie énormément. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et tout le monde, bonne Saint-Jean, groupe mythique du Québec. Ouais. Alors, c'est ça. Bonne Saint-Jean. Merci. Merci beaucoup à toi aussi, Francis, le petit coup de main. Pour trouver les équipes. Toujours pratique, ça donne. Quand c'est des joueurs comme ça qu'on connaît pas, là, toujours apprécié. Alors sur ce, je vous souhaite bonne chance. Groupe mythique. 8-3, 8-3.
Je vous laisse là-dessus sur les bonnes paroles de notre cher collègue, nous rappelant les succès du Québec, du groupe 83-83 dans le ghetto. Alors, bonne soirée à tout le monde. Si on ne se revoit pas dans la journée de demain, je souhaite à tout le monde une grande et merveilleuse Saint-Jean et surtout, bon match. Go Habs, go! Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.